Pom, mec, ce que je viens de mettre au snipe un type, mon gars. Il était trop loin, il était en train de courir, mec, derrière une thune au cheval, mon gars. J'ai vu la balle qui part, je croyais tellement pas, mon gars, les points qui s'affichent. Boum. Yo, salut à toutes et à tous, c'est Super Arctic. J'espère que vous allez tous très bien, les gars. Moi, ça va super. Et on se retrouve aujourd'hui avec une bonne nouvelle. Je vous annonce que la team Apax recrute. Donc, la team Apax, c'est mon équipe. C'est une équipe dans laquelle j'évolue depuis plus de 2 ans, depuis la sortie de BF Hardline. Et on ouvre une session de recrutement pour la nouvelle saison sur Battlefield 1. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer, les gars, le recrutement. Mais d'abord, je vais vous présenter rapidement la team. Donc, l'équipe Apax, déjà, faut savoir que c'est une équipe qui est assez ancienne, dans le sens où on existe depuis Battlefield 3. C'est une équipe solide, c'est-à-dire que c'est pas une équipe qui a été créée il y a une semaine et qui va se dissoudre dans un mois, les gars. C'est vraiment quelque chose de sérieux. Les valeurs de l'équipe, c'est la camaraderie, la bonne entente entre tous, le fun, le teamplay. Faut savoir que c'est une équipe qui évolue principalement sur Battlefield. Alors il y a d'autres jeux aussi bien sûr, mais principalement c'est du BF. Donc voilà, vraiment on essaye de mettre en place un esprit qui soit le plus convivial possible, du fun, de la rigolade. Faut aussi savoir que c'est une team qui est composée de 36 joueurs, donc on est quand même une grosse équipe. On aura aussi, donc c'est une team qui se veut aussi e-sport, c'est-à-dire que sur une saison par exemple sur Battlefield 1, on va essayer d'affronter d'autres équipes sur des matchs compétitifs, et bien sûr on va essayer de leur faire mal, les gars, on va leur rentrer dedans, on va essayer de les gagner, tout dans le respect bien sûr. Donc voilà, c'est une team qui est composée de 36 joueurs, donc vous allez vous y retrouver. C'est des gens qui sont bien entendu majeurs, qui partagent, avec lesquels on partage exactement les mêmes valeurs, et ça se passe très bien. Voilà, je vais vous expliquer le type de profil qu'on recherche. Alors, dans un premier temps, on ne recrute que des personnes qui sont majeures. Donc voilà, c'est un peu normal, nous on a tous plus de 18 ans et on veut s'assurer que les gens avec qui on va jouer plus tard soient sérieux. Et puis on veut pas non plus d'avoir de décalage d'âge, c'est assez normal. Ensuite de ça, on recherche des gens qui soient disponibles, c'est-à-dire qui puissent se connecter globalement, on va dire plusieurs fois par semaine pour jouer avec nous. Des gens qui soient sérieux et qui soient, j'ai envie de dire, matures, dans le sens où on recherche pas des rageux ou des gars qui vont jouer à perso et qui vont pas répondre la bande ambiance. Et ensuite de ça, on n'impose pas vraiment de critères de niveau. Alors vous allez voir que dans la team Apax, il y a un petit peu de tout. Il y a des joueurs qui ont un très beau niveau, il y a des joueurs qui ont des anciens joueurs compétitifs, des joueurs qui sont un peu plus débutants. Il y a un peu de tout, c'est ça qui est cool, et du coup on s'apprend un peu les uns les autres. Et voilà, il y a énormément de joueurs qui ont énormément progressé. D'ailleurs, je me rappelle certains de mes coéquipiers qui sont rentrés avec moi sur Hardline et qui avaient un niveau un petit peu en dessous. Et voilà, ils ont énormément progressé. Maintenant, c'est vraiment devenu des très bons joueurs. Voilà, donc on va essayer de vous tirer vers le haut. Quoi, j'ai envie de vous dire, c'est ça le principal. Après ça, globalement, au niveau des conditions d'entrée, ouais, je crois que je vous ai tout dit. Voilà, globalement, c'est avoir plus de 18 ans. Ah oui, pouvoir communiquer avec des gens qui ont un bon casque avec micro, ça c'est ultra important. Des gens qui soient disponibles et fair play. Ça me semble être la base, les gars. On recherche, je vous le dis clairement, on recherche pas forcément des machines de guerre au niveau du jeu. Enfin, pas forcément des joueurs qui soient très forts individuellement, mais plus des joueurs qui savent... savent partager leur jeu, jouer en équipe et répandre la bonne humeur. C'est vraiment ça qu'on recherche. Alors, si vous voulez postuler, les gars, il faut que vous alliez vous présenter sur notre site. Je vous mettrai le lien en description, ouais, parce que tu vois, on est quand même une team un peu sérieuse, on a un site, quoi. Ok, il est un peu vieux, mais on en a un. Que vous alliez postuler sur notre site. Donc sur le site des Apax, simplement vous vous présentez, il n'y a pas besoin de faire une présentation super longue. Vous dites ce qui vous intéresse, par quoi vous êtes intéressé aussi, ce que vous recherchez, comment vous aimez bien jouer, si vous aimez jouer, j'en sais rien, soutien, éclaireur, machin, si vous êtes plus rusher, camper, j'en sais rien, enfin bref, vous vous présentez quoi, vous m'avez compris.
Et ensuite à ça, vous allez voir que vous allez être contacté par soit Waza, qui est notre leader de meute, soit Dartosh, le co-leader. Et ils vont vous demander de jouer avec nous. Vous allez faire une petite session de jeu avec nous. Et puis voilà, et puis si ça se passe bien, normalement, il n'y a pas de raison, puis vous serez pris. Il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, bah, moi j'espère. Vous pouvez m'ajouter aussi, bien sûr, hein, moi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis toujours content de jouer avec vous. Et voilà, en tout cas, j'espère qu'on se reverra bientôt pour les sessions de recrutement. N'hésitez surtout pas. Je sais qu'il y en a qui hésitent un peu à se mettre, à se lancer, à trouver une team, machin. Il y a des gens qui sont un petit peu plus timides que d'autres. C'est normal. N'hésitez surtout pas. On ne mange pas, même si on est des gros loups. On ne mange pas, sauf nos ennemis. Et voilà, j'espère qu'on se retrouvera bientôt dans les rangs de la PAX pour combattre ensemble sur les champs de bataille. En tout cas, moi j'espère vous revoir très bientôt, les gars. N'hésitez surtout pas à postuler sur notre site. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, moi je vous fais des bisous. C'était Super Arctic. Ciao. Peace. Posso curarti?